m'excuse au député de Perry Sound, Muskoka. La déclaration de député des députés d'Alderman de Norfolk. Aujourd'hui, c'est un jour important pour la collectivité orthodoxe. Le 30 est la fête de Saint-André, qui est le Saint-Patron de Constantinople. Il est un résultat de la vision extraordinaire de ce saint et la foi d'un homme. On a créé Constantinople. Le chef apostolique, c'était sa sagesse, le patriarche Bartholomé, qui a mené une transformation incroyable. Et David Rose, le rabbi Rosen, dit que c'est non seulement un exemple pour toute sa religion et toute la société et d'autres religions. Le patriarche écuménique a travaillé avec beaucoup d'acharnement pour avoir une meilleure compréhension entre le judaïsme, la chrétienté et aussi la foi musulmane, les musulmans. Son message de tolérance dans la Terre Sainte, aussi bien qu'au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de gens qui sont des orthodoxes ici. Souvenons-nous et travaillons pour améliorer la liberté religieuse et de protéger les minorités religieuses à travers le monde. Merci. La députée de Windsor West. Merci. Je suis très contente de rendre hommage à deux gens incroyables de Windsor. La docteure Mark Walker et docteur Mark Kergo ont reçu des prix pour leur travail. Le docteur Mark a été nommé le pédiatre de l'année par l'Alliance des pédiatres de l'Ontario. Et docteur Wook est un pédiatre communautaire. Il a été aussi président de pédiatrie à l'hôtel Dieu Grace de Windsor pendant 6 ans. Le Dr. Hook est un chef de file qui traite ses patients de bonne façon et il représente bien les 1400 pédiatres en Ontario. Il a reçu de reconnaissance sur mon travail, a reçu le prix d'excellence de l'Ordre des omnipraticiens. Le Dr. Cargill est un chef de file dans les soins palliatifs et de fin de vie. Et a défendu le centre de soins palliatifs à Windsor. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'ai déposé mon projet de loi de député, la loi de Dunn. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de travailler avec lui, de le connaître. Félicitations à ces deux médecins incroyables de Windsor. La plupart des enfants aiment les médecins drôles. Merci. Déclaration député de Douglas-Lawrence. C'est par coïncidence, je vais faire une annonce sur l'ouverture de la ligne de Yonk University à la région du York. Et une des personnes qui est responsable de l'établir est ici par accident. C'est Karen Stins, l'ancienne présidente de la Commission des transports de Toronto. Madame Karen Stins, c'est bien. C'est vraiment toute une coïncidence. Cette ligne qui va ouvrir le 17 décembre, il y aura une journée porte ouverte et tout le monde est accueilli. Et ce qui est incroyable quant à cette ligne, les conservateurs ont rempli des trous, mais les libéraux construisent des lignes de métro. Il y aura Downsview Park pour servir les étudiants, Finch West et aussi à l'Université York, les étudiants pourront prendre le métro pour aller à l'université. Ça sera incroyable pour l'Université York. Et une autre station incroyable, ce sont des chefs d'œuvre architecturaux. Et il y a aussi le Pioneer Village, le village des pionniers, qui aura une station. Ça sera bien pour les gens qui vivent du côté nord-ouest de la ville, qui n'avaient pas du transport en commun rapide. Il y aura aussi une station de métro à l'autoroute 7, à la 407, pardon. Et de plus, on pourra aller dans la région de York en métro 717. Venez-y, le 17 décembre, venez, c'est Karen Sins qui achète tous les verres.
Le député de Wentworth-Oshawa, je veux reconnaître le travail du conseil de la région de Durham et leur rapport en particulier sur les questions reliées aux aînés. On parle de l'éducation des membres, des outils de planification pour veiller au logement existant, le plan stratégique, le plan officiel et d'autres matières qui vont faire avancer les objectifs de logement pour les aînés. Et on voulait aussi identifier des partenariats avec les municipalités de la région, aussi bien qu'avec l'industrie financière dans la région de Durham. Cette initiative s'aligne avec le plan de logement de 10 ans qui a été lancé il y a à peu près 2 ans et demi sous le leadership de Roger Anderson, qui est le PDG et président de la région de Durham. Et j'ai mon sincère espoir, c'est que les recommandations données dans ce rapport vont contribuer à assurer que personne dans la région de Durham va au lit sans avoir un toit sous la tête. D'autres déclarations des députés, la députée de London Fanshawe. Merci, c'est toujours un plaisir de, en tant que député de London Fanshawe, il peut parler au nom de mes concitoyens. J'ai rencontré Barb et elle a partagé son expérience de soins à domicile que son mari Ron a eu. Il avait des problèmes de foie aussi bien que de cœur. Et diabète. Il est allé à l'hôpital et après 5 jours, et même s'il était aux soins aigus, il a été renvoyé à la maison pour recevoir des soins communautaires. Et il a sorti de l'hôpital le 7 juillet et il était censé recevoir de soins à domicile. Et Barb est passée à l'action parce que pendant 3 semaines, il n'a pas vu des infirmiers. Elle a envoyé des photos de leur situation et finalement, elle est concernée du travail. D'abord, elle pense que les gens devraient recevoir des soins à domicile 40 heures après avoir laissé l'hôpital. En coïncidence, j'ai présenté une solution le 25 avril 2013 en demandant au gouvernement d'adopter une garantie de 5 jours de soins à domicile. Elle pense aussi que les consommateurs des services en consommateurs doivent raconter leur histoire une seule fois. Il faut avoir une meilleure communication entre les professionnels de santé dans les hôpitaux et dans la collectivité. Les soins que Ron n'a pas reçus dans ses journées finales, c'était un fardeau à Barb. Barb a perdu son mari. Et beaucoup de gens ont de mauvaises expériences avec les soins à domicile. Il faut écouter ces gens-là. Merci de vos déclarations, député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Je veux célébrer Variety Village, un organisme incroyable qui veut appuyer les personnes handicapées. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'être là à Kingston Road à l'avenue Danforth avec la présidente Karen Stintz, directrice des communications des normes, qui sont toutes les deux là. On leur souhaite la bienvenue. Variety Village était la première institution au Canada pour donner une meilleure vie aux personnes handicapées. Et les terrains où l'institution a été donnée par le gouvernement ontarien et le premier ministre de l'époque, George Drew, l'a officiellement ouvert en 1973. Ce Variety Village a des programmes d'éducation et des programmes spécialisés donnés par les infirmières. Les premiers 40 étudiants sont venus à l'automne de 1949. Il y avait 3 enseignants, un chef de cuisine et 3 infirmières. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais Variety Village est devenu le prestataire de programmes à 1,4 million d'heures pour plus de 30 000 personnes de plus de 15 ans qui ont des handicaps. Et il y a eu beaucoup d'obstacles, mais il y a beaucoup, par exemple, de parents olympiens qui ont démarré leurs activités à Variety Village. C'est vraiment une collectivité assez unique et j'espère que mes collègues vont partager mes collègues de cette réussite. Et je remercie Karen, Linda et tout le personnel qui travaille pour Variety Village. D'autres déclarations de députés, le député de Pearson Muskoka.
Merci. Je veux reconnaître le 25e anniversaire d'une entreprise à Pearson, Muskoka, qui a un nom descriptif. Yum is in a jar. Des gâteries dans un contenant. Ils vendent du sirop d'érable, de confiture, aussi des choses pour la sauce pour la salade. Lynn Merton a lancé cette entreprise dans sa cuisine, mais maintenant ils ont d'autres installations où on continue à produire le produit. Il y a du personnel de 3 à 4 gens à temps partiel qui travaillent pour eux. Et quand je leur ai demandé, ils ont dit qu'elle aura des problèmes avec l'augmentation du salaire minimum et aussi bien l'annulation des quarts de travail. Le problème du salaire minimum et aussi bien le problème de nouvelles règles pour annulation des quarts de travail sans problème par Amy James et beaucoup d'autres PME. J'espère que le gouvernement les écoute. Non seulement elle a vraiment une bonne entreprise, mais ils sont des gens qui font beaucoup dans la collectivité. Il y a eu dernièrement une soirée de levée de fonds pour la SPCA locale. Et félicitations à Yum is in a Jar et sa propriétaire Lynn au 25e anniversaire. Et donc, quand vous faites vos achats de Noël, pensez à eux. Merci. D'autres déclarations de députés, le député d'Ottawa-Sud. Merci. La plupart des gens ont entendu la transaction entre Toaster et Postmedia, où on a échangé des journaux locaux. On a appris que la plupart de ces journaux, beaucoup de ces journaux vont fermer, qui servent des petites villes et des petites collectivités, des quartiers, des journaux qui ont parlé, par exemple, de l'opposition locale à une nouvelle construction ou une nouvelle cuisine communautaire ou que, par exemple, dans Ottawa-Sud, on a eu une ouverture cette semaine. Au moment où l'Internet a rassemblé tellement de gens qui sont loin les uns des autres, c'est important qu'on soit reliés à ceux qui sont plus proches de nous, à notre collectivité. C'est ce que les journaux locaux le font. Ils bâtissent la collectivité, la communauté, ils nous informent, ils nous relient, ils aident les jeunes journalistes à devenir de bons journalistes. C'est vraiment triste que le journal local d'Ottawa-Sud va fermer bientôt. Une fois, ça s'appelait les nouvelles EMC. Maintenant, ça s'appelle les nouvelles communautaires d'Ottawa-Sud, Ottawa-Sud Community News. J'aimerais reconnaître Porter Aaron qui est un reporter. Je veux remercier les gens qui travaillent dans ces nouvelles communautaires, du travail que vous faites pour aider nos collectivités. Merci. D'autres déclarations, la députée de Thornhill. Merci. Je suis très content de prendre la parole aujourd'hui pour mentionner que dimanche dernier, c'était la soirée de le souper du fonds juif. Il y avait Howie Mandel qui a grandi à Toronto et il a beaucoup d'histoires où ça devient des problèmes. Le restaurant de Pickle Bear, il était interdit d'y aller parce qu'il faisait des mauvaises choses et il prenait un calepin, il prenait la commande des gens même si ce n'était pas un serveur. Ah oui, était un peu inapproprié, mais il était vraiment drôle à cette soirée-là. Je vais dire félicitations à Lion Stennis, Barty Feldman, ma circonscription, juste au sud de ma circonscription, qui était un des bénévoles. Et on a bénéficié les frères à vie, Lahim Lahim, pour aider les soldats juifs qu'ils puissent aider. Et ils ont rencontré des soldats. Les Montouin de ma circonscription a chanté l'hymne national du Canada et d'Israël. Et elle a lutté contre le cancer depuis quelques années. Il a un organisme qui s'appelle Aggressive Positivity. Et elle fait des tableaux et qu'elle a donné au chef de police Saunders qui a eu un greffe des reins. Merci à Lynn Moore, à Audie Medell et merci en particulier aux frères Avi. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration de député. C'est maintenant le